Allez, hop. La métro s'est engagée dans un programme de réalisation de passerelles pour franchir les obstacles naturels ou artificiels. Cette passerelle est un des éléments, des maillons forts. Malheureusement, la première passerelle a connu quelques ennuis, un incendie malencontreux qui nous a amené à la repenser, à réorganiser techniquement le passage. Ça a pris un peu de temps, mais aujourd'hui, ça y est. On a effacé cet incident. Nous sommes ici en limite de la commune de Cessin, commune de Grenoble et la commune des Chirolles, et qu'effectivement, franchir le rondeau sans cette passerelle, pour les cyclistes, c'est impossible. Et que cette passerelle, elle est stratégique pour les pistes cyclables et le maillage des pistes cyclables de l'agglomération. Quand on doit passer de la rive gauche à la rive droite et vice-versa, Cessin et Chirolles, c'est indispensable. C'est très important, en tout cas, pour celles et ceux qui, des deux côtés du Drac, je dirais, ont des besoins de pouvoir traverser facilement, déjà pour le travail, après pour le loisir, ça j'en suis certain, hein, même si on avait aménagé quelque chose, mais pour ceux qui travaillent de part et d'autre du Drac, je crois que c'est tout à fait important. C'est une ville plate, on ne le dira jamais assez. On a des voiries qui sont relativement étroites, parce que la ville de Grenoble particulièrement est très dense. Donc il est évident que si on peut éviter l'utilisation de la voiture au profit du vélo, d'abord c'est bon pour la santé, en plus c'est bon pour lutter contre la pollution et c'est bon pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Nous allons maintenant sans doute travailler sur une passerelle sur le Drac toujours, mais au nord, vers à la hauteur de la rue Horowitz, pour relier le projet du polygone porté par la ville de Grenoble et l'urbanisation côté Sassenage-Fontaine. Sans Fontaine plutôt en l'occurrence, et l'opération notamment Porte du Vercors que la métro a initiée avec Fontaine et Sassenage. Moi, un ouvrage qui fait honneur aux cyclistes.